Bismillahirrahmanirrahim, madame et messieurs, bonjour. Je vais essayer aujourd'hui de terminer la partie numéro 2 de la correction de notre examen blanc MOS Excel 2013, niveau 1. On était arrêté à l'importation de notre texte dans le vidéo numéro 1. Aussi, on va voir comment copier le texte, coller, et on va essayer de travailler un peu au niveau de la feuille numéro 1. Donc, copier un texte, copier feuille 41 à feuille 1 plutôt, ligne 41 à 54, ligne 41 à aux lignes 54. Donc, je vais couper, donc CTRL X, couper et coller ce texte dans la feuille 2 de 1 à 14. Donc je vais sélectionner la feuille numéro 2, ligne 1 jusqu'aux lignes 14. Donc je vais sélectionner les et je vais coller les données. Donc nous commençons de travailler la feuille numéro 1. Donc le nom c'est inventaire. Donc je vais écrire inventaire au nom. Je vais cliquer deux fois sur l'onglet feuille et je vais écrire inventaire. Donc les colonnes maintenant, donc insérer une colonne, une nouvelle colonne, donc c'est B, insertion, et on a une colonne vide au niveau de B. Okay? Donc texte maintenant, insérer année, cellule B2. Je vais chercher où est-elle cellule B2 et je vais écrire année. Année, voilà. Les valeurs maintenant, je vais insérer les valeurs 1878, 1878, 1882, 1882, jusqu'au 2018. Donc, je vais sélectionner les deux premières cellules, puis je vais cliquer sur l'onglet droite de ces deux cellule. Et voilà, notre colonne a été remplie avec des dates jusqu'au 2018. Texte, insérer quantité inventoriée cellule A1. A1 ou cellule A1, je vais écrire quantité inventoriée. Quantité inventoriée cellule A1. Cellule A1, quantité inventoriée, fusionnée et centrée, quantité inventoriée, plage de cellule A1, AF1. Donc je vais sélectionner A1, F1 et je vais dans le menu, donc je vais dans le menu Accueil et je vais choisir dans l'onglet Alignement, je vais choisir fusionnée et centrée. Fusionnée et centrée, style de A1, F1, le style. C'est 60% accent 1. Donc, style de cellule, c'est 60% accent 1. 60% accent 1. Police, c'est gras double souligné. A2, AF2. Gras italique et double souligné. Donc, je vais sélectionner les titres de A2, les cellules A2, AF2, et je vais choisir gras, italique et double souligné. Donc, merci et au revoir.